l'emblématique pont de pierre, les statues du jardin public ou la grue Wellman du bassin à flot, des trésors du patrimoine métropolitain qui ont pu être restaurés avec l'aide du mécénat. Autre lieu, autre trésor, cet atlas exceptionnel détenu par la bibliothèque de Bordeaux. Au total, deux ouvrages très endommagés. Objectif, les restaurer, mais pas seulement. Voici un des atlas Mercator du nom de ce géographe de la Renaissance. C'est lui qui a inventé la projection du Mercator, c'est-à-dire la représentation à plat d'un monde sphérique. Quatre siècles après leurs éditions, ils ont besoin d'un petit coup de jeune. Donc là, c'est un des deux atlas Mercator Ondus pour lequel on demande le soutien du public pour sa restauration, puisque comme vous le voyez, il est en très mauvais état. Le plat est détaché, les premiers cahiers se détachent également. Beaucoup de pages sont déchirées. Le premier objectif du projet était de restaurer cet atlas-là. Un projet mis en ligne sur la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank. Les 6000 euros nécessaires à la restauration ont été récoltés. Mais le projet ne s'arrête pas là. Il va se poursuivre par un autre mécénat pour la création d'un parcours d'accueil des classes dans les magasins de la bibliothèque de Bordeaux. C'est des coulisses. On y trouve les livres anciens, c'est-à-dire les livres avant 1914, qui sont entrés en grande partie au moment de la Révolution française. 8000 euros seront nécessaires pour la mise en place de ce parcours scolaire autour des cartes anciennes. 2000 euros pour la numérisation des plus beaux atlas de la bibliothèque. Le mécénat, une action citoyenne pour permettre la conservation des trésors du passé.